Et là, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la prestation de Svetlana Korkina. Elle aussi, j'allais dire, presque un vétéran de la gymnastique, même si elle n'a que 24 ans. Ça reste la référence absolue aux barres asymétriques. On ne pouvait pas ne pas vous la montrer. Svetlana Korkina, la reine des barres, qui est passée à côté, curieusement, lors des derniers championnats du monde par agrès. Et là, elle a frôlé à 2-3 reprises la correctionnelle, mais elle a réussi quand même à dominer toutes ses adversaires. C'est-à-dire qu'elle a tellement de métier et d'expérience que même si elle est un tout petit peu désaxée parfois, elle se récupère très bien et arrive à s'imposer tout à fait logiquement à cet agrès. Korkina, la reine de la gymnastique artistique féminine, et ici, vrille salto arrière-corps groupé pour terminer. Voilà, très belle performance et très belle prestation de Svetlana Korkina, qui remporte le concours des asymétriques devant l'excellente, mais vraiment excellente britannique Elisabeth Tweedle, et encore une française très bien placée, Gaëlle Richard, qui a obtenu la troisième place. Quand même une belle performance. Absolument, et l'avenir s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour cette équipe féminine. Oui, parce qu'elles sont jeunes. Rappelons que Gaëlle Richard n'est pas très âgée et Coralie Chacon n'aura 16 ans que le 12 mai prochain. Donc, il va falloir la suivre. Et oui, c'est une équipe très jeune. Et on en verra une autre française. C'est la petite Le Pennec qui attaquera la première, la finale du sol. On revoit Svetlana Korkina, 9,550. Elle a déjà obtenu des notes bien meilleures que celle-ci. Mais là, c'était suffisant pour l'emporter. Même si on a vu quelques petites imperfections dans ses évolutions aux asymétriques. Non, mais il y a une telle différence souvent entre elle et les autres que ça ne pose pas vraiment de problème. Elle assure.